presque 1000 ans. 1000 ans que les moines clunisiens se sont installés à Saint-Victor-sur-Rhin, au sein du prieuré aujourd'hui disparu. C'est dans le scriptorium de l'abbaye de Cluny, lieu de travail des moines chargés des enluminures, que va s'écrire pendant plus de 25 ans ce bréviaire. En 1317, il est offert par le sacristain Guillaume de Montagny à l'église de Saint-Victor, en échange d'une messe hebdomadaire pour le salut de son âme. Elles devront être célébrées à perpétuité. Cet ouvrage, rare, se compose de 625 folios manuscrits sur parchemin. Plus de 160 peaux de mouton ont été nécessaires à sa confection. Rendons hommage au copiste. On peut admirer sans réserve cette écriture gothique, parsemée de majuscules variées et de rubriques d'un rouge éclatant, autant par sa solidité que par sa netteté et ses formes régulières. Elle semble aujourd'hui jeter un défi audacieux à nos livres imprimés. Le travail du copiste étant achevé, les cahiers de Velin ont été remis au miniaturiste, chargé de remplir les espaces vides ménagés dans le texte. Dans l'exécution, le miniaturiste est loin de rester toujours égal à lui-même. Quelquefois, l'ennui et le découragement paralysent sa main. Et bien des feuillets expriment la lassitude du pauvre moine dont l'existence est vouée à une besogne longue, difficile et sans gloire. Ce manuscrit illustré est en quelque sorte une galerie de peintures renfermant 24 scènes bibliques, évangéliques ou légendaires. L'ornementation est complétée de petites figurines qui foisonnent dans le cours du volume, accrochées aux tiges marginales ou même complètement isolées. Quelquefois, le dessinateur donne libre cours à sa verve railleuse et satirique. Il est resté longtemps à l'écart des chemins fréquentés par les historiens. C'est grâce à Joseph Deschlette, historien et archéologue, et Joseph Follier, que ce chef-d'œuvre est classé au patrimoine historique depuis le 29 décembre 1906.